Le dernier crash d'un avion militaire en Franche-Comté concerne un appareil suisse. Un F-18 s'est écrasé en octobre 2015 sur la commune de Glamondan, à une vingtaine de kilomètres de Besançon. Le pilote avait réussi à s'éjecter. En juin 2013, c'est cette fois un militaire français qui active son siège éjectable avant que son Mirage 2000 ne s'écrase sur la commune de Moncourt, en Haute-Saône. Le pilote rentrait de mission et rejoignait la base aérienne de Luxeuil-Les-Bains. En octobre 2012, un autre appareil de la BA116 s'écrase à froide conche. Quelques minutes seulement après son décollage, le pilote de nationalité taïwanaise n'a pas survécu à cet accident. En 1971, un autre pilote de la BA116 avait perdu la vie dans le crash de son appareil sur le secteur de Fran dans le haut à quelques kilomètres seulement de l'accident de ce mercredi.